Merci beaucoup. Bienvenue, messieurs, mesdames. Bienvenue, monsieur le président. Encore une fois, ici au Parlement européen, ceux qui ont assisté à la réunion solennelle, qui ont écouté le discours du président Marzouki, partagent certainement mon sentiment que c'est depuis très longtemps un des moments les plus intenses, un des moments les plus émotionnels ici au Parlement. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre discours, pour vos mots. Merci beaucoup pour cet esprit de réalisme à l'un côté, mais de l'espoir à l'autre. L'espoir pour vous et vos concitoyens, concitoyennes, pour votre peuple, mais l'encouragement pour nous, les Européens, en même temps. Et j'avoue, je me souhaiterais souvent que l'esprit européen qui était exprimé par vous, devant les députés ici, était le même esprit des quelques responsables en Europe. Et je suis très reconnaissant. Je suis très ému par les mots. Et j'ajoute de mon siège du perchoir, on voit facilement les réactions de la plénière. J'ai rarement vu des collègues si durs et si forts normalement pleurer ensemble, de gauche à droite. Donc c'était un moment exceptionnel. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir rendu le privilège d'assister à ce moment. Un moment dans une situation dramatique pour le pays. L'assassinat de ce matin que nous condamnons tous ensemble. Et je répète ce que j'ai dit à plusieurs reprises, aussi dans ma fonction comme président en exercice de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Il ne suffit pas que l'Union européenne et au-delà les États membres envoient leurs représentants, leurs ministres des Affaires étrangères pour honorer la révolution et décident après dans leurs gouvernements respectifs de réduire les moyens financiers pour la coopération internationale. Cette contradiction, partiellement hypocrisie, est au détriment de la crédibilité de l'Europe et de la stabilité de la région entièrement. Donc, une fois plus, je répète ce que nous avons discuté dans notre rencontre bilatérale. Monsieur le Président, le Parlement européen est prêt de lutter pour un budget européen qui assure les moyens financiers nécessaires pour le soutien que l'Europe doit confier à des hommes d'État comme vous et au peuple, comme le peuple tunisien et tous les peuples dans la région. Merci beaucoup, encore une fois, infiniment, pour l'honneur que vous avez rendu aujourd'hui au Parlement européen. Toute ma fierté et toute mon émotion d'être dans ce Parlement. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder les travées du public et je me suis souvenu qu'il y a quelques années, moi aussi, je m'assoyais dans ces travées du public pour regarder fonctionner cette magnifique maison qui, encore une fois, nous a toujours, toujours, toujours apporté son soutien. Je ne compte plus le nombre de déclarations, le nombre de prises de position que le Parlement européen a pris pendant les deux décennies où la Tunisie vivait sous la dictature. Nous avons toujours trouvé dans cette maison du réconfort, du soutien, de l'amitié de la part des députés de tous les bords, de tous les pays. Et ceci nous a beaucoup, beaucoup réconfortés. Je pense que le Parlement européen était devenu à un moment donné la bête noire de la dictature en Tunisie. Maintenant, le passé, je ne peux pas dire qu'il est derrière nous, il est toujours en nous, il est toujours devant nous. Il y a encore toutes les possibilités de dérapage. Nous sommes tout le temps face à des défis majeurs. Nous avançons sur un chemin extrêmement étroit.
ce chemin est balisé de difficultés. Nous nous rendons compte que la révolution, c'est quelque chose de simple, mais c'est la pré-révolution qui est quelque chose d'infiniment plus compliqué. Parce que la révolution peut détruire un système politique, mais remettre un autre système politique, un autre système social à sa place, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire de la paranoïa, mais c'est quand même curieux qu'on ait trouvé que ce matin-là pour assassiner un homme politique de gauche. Est-ce que c'est un signal qui est envoyé pour dire que nous sommes là et que ce processus que vous voulez pacifique, que vous voulez démocratique, que vous voulez, etc., nous allons nous y opposer par la force des armes. Mais encore une fois, je le dis, ce message ne sera pas reçu. La Tunisie continuera à avancer sur ce chemin, sur le choix qu'elle a fait d'un État, d'une révolution qui veut résolument être pacifique, qui veut résolument être consensuelle et qui veut résolument avancer vers la réalisation de ses objectifs au moindre coût humain. Donc nous n'allons pas changer de cap, nous n'allons pas changer de méthode, nous allons continuer. Je ne me fais pas d'illusions, je pense que nous allons avoir encore d'autres crises, d'autres tentatives de déstabilisation, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Tunisie est assez puissante, assez madrée, assez structurée pour s'opposer justement et pour faire échouer toutes ces tentatives de déstabilisation. Voilà, je vous donne la parole au cas où vous voudrez poser des questions, je suis à votre disposition. David Carretta de Radio Radicale. Une question pour le président Marzouki. C'est vrai, dans les années 2000 et jusqu'en 2010, le Parlement, grâce à une minorité peut-être de parlementaires européens, a été la bête noire du régime Ben Ali. Mais pour l'Europe, c'était plutôt le camarade Ben Ali, pour une partie de ce Parlement aussi. Je me demande si vous n'avez pas l'impression qu'après votre révolution, l'Europe vous a abandonné, encore une fois, abandonné les démocrates tunisiens. Qu'elle nous ait abandonné, ce qui m'inquiète, c'est la facilité avec laquelle elle désespère de ce processus. Il y a une semaine, il y a un mois à peu près, je recevais l'ancien président Sampaio du Portugal. Il m'avait expliqué que leur période transitoire avait duré 8 années. Et aujourd'hui, tout de suite, aujourd'hui, c'est l'hiver islamiste. Aujourd'hui, c'est la fin de la révolution. Aujourd'hui, c'est le pays qui livrait aux salafistes, etc. Et tout cela, ça ne correspond à rien de la réalité. La réalité, elle est autre. La réalité, c'est que c'est un processus difficile, complexe, mais où les gens travaillent, où une classe politique responsable se bat pour maintenir ce choix. Donc ce que je demande aux Européens, c'est de ne pas trop s'avancer en disant c'est raté, ou je leur demande même pas de dire que c'est réussi, je leur demande d'attendre, de nous accompagner, d'être empathique, d'être sympathique avec nous, de comprendre que ce processus est long et difficile, de se rappeler par exemple au niveau de la France combien de décennies ça a mis avant de réaliser les objectifs de la Révolution, de ne pas exiger de nous des miracles, et de comprendre que nous sommes des êtres humains face à des difficultés énormes, face à un legs considérablement négatif, et que donc nous avons besoin d'empathie, de sympathie, d'amitié et de confiance aussi. Et que je peux vous le rassurer, en tout cas je parle pour la Tunisie, je ne peux pas parler pour les autres révolutions arabes, mais pour la Tunisie va s'en tirer. Va s'en tirer, si je le dis, c'est parce que nous avons eu une armée républicaine structurée, légitimiste et qui est prête à défendre le pays, parce que nous avons des forces de sécurité qui sont en train de retrouver, après être passées par une très mauvaise période, leur place dans la société, parce que nous avons une classe politique variée, diverse, mais qui cherche le consensus en permanence, parce que nous avons un peuple modéré et mature, et par conséquent, toutes ces tentatives de déstabilisation, et il va y en avoir d'autres, attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres, parce que pour certaines forces occultes, il ne faut pas que ce modèle tunisien réussisse, il faut que ça capote pour bien montrer que, à la limite, l'ancien régime était mieux. Mais je peux leur dire et je peux vous dire que nous allons relever le défi et nous allons le gagner. Donc c'est une première, cet assassinat politique, et c'est une menace donc, pour ce processus démocratique. Mais qu'allez-vous faire concrètement pour faire face à cette menace sérieuse? Et si je peux me permettre d'avoir une réponse en arabe également. Bien, d'abord, évidemment, il y a la question de la sécurité. Je pense que, je vous ai dit, après la révolution, notre système de sécurité a été mis à mal.
et aujourd'hui il est en train de se reconstruire, et on va lui demander de faire son travail, donc de retrouver les criminels et de mettre... D'ailleurs, il n'y a pas que ce crime aujourd'hui, il y a eu d'autres crimes la semaine dernière. On a commencé à allumer tous ces mausolées pour dresser des musulmans contre des musulmans. Tout ça, ce sont des tentatives de déstabilisation. On ne veut pas que le modèle tunisien réussisse. On ne veut pas que ce modèle qui est basé sur une avancée pacifique, sur le fait que ça soit basé sur le consensus, sur le fait qu'il y ait un gouvernement dans lequel on met des islamistes modérés et des laïcs modérés, parce qu'autrement, c'est l'affrontement entre deux blocs. Ce modèle tunisien, on ne veut pas qu'il réussisse. Eh bien, moi, je dis à tous ces gens-là, il réussira. Parce que c'est le peuple tunisien qui va le faire réussir. Nous avons réussi à faire face à toutes sortes de techniques de déstabilisation. C'est la dernière. Il y en aura d'autres. J'en ai bien peur. Mais encore une fois, nous saurons maintenir le cap. Parce que nous avons aussi beaucoup de cartes gagnantes. أن هناك الآن محاولة لزعزعة ما أسميها النموذج التونسي للتحول الديمقراطي. النموذج التونسي للتحول الديمقراطي هو حكومة ائتلافية بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين، لأن خارج هذا الإطار ليس هناك إلا تواجه بين القوتين. نحن لا نريد هذا. النموذج التونسي هو التحول السلمي البطيء. النموذج التونسي هو البحث عن التوافقات بين مختلف الأطراف السياسية وليس فرض هذا على ذاك. هذا النموذج التونسي هناك أطراف لا تريد له أن ينجح، لكن نحن سننجحه مهما كان الثمن، لأننا واثقون أن هذا هو الطريق المؤدي إلى الانتقال الديمقراطي الذي لا نريد، وثانيا لأننا من جديد عندنا كثير من الأوراق الرابحة التي ستمكننا من رفع كل هذه التحديات. Je voudrais vous demander, le président Marzouki, vous avez dénoncé le dieu assassinat d'un opposant dans l'hémicycle. Je voudrais savoir, est-ce que vous voyez des risques plus risque pour la démocratie en Tunisie maintenant, après cet assassinat? Et qu'est-ce que vous demandez à l'Europe à ce point? Et au président Schulz, je voudrais demander, et qu'est-ce que l'Europe peut donner maintenant à ce point? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à la Tunisie, monsieur Marzouki? Oui, l'objectif, je remets tout cela dans le cadre de toutes les tentatives de déstabilisation. Donc le dernier mois, nous avions dû travailler sur ces attaques contre des mausolées, donc contre les marabouts, qui sont les symboles de l'islam tolérant et traditionnel. Et ces actions avaient pour but d'opposer, de mettre des musulmans pieux et traditionalistes contre d'autres musulmans qui seraient des musulmans plus sectaires ou plus violents. Donc c'était de créer une rupture au sein même de la population musulmane. Je pense que cet odieux assassinat a pour autre objectif donc d'opposer cette fois-ci la composante laïque à la composante musulmane ou islamique de la société. Donc ce sont des manœuvres pour dresser les gens les uns contre les autres, pour lancer le pays dans le chaos. C'est d'abord notre responsabilité à nous, Tunisiens. Donc moi, je me suis toujours adressé au peuple. Je vais encore une fois adresser aux Tunisiens la demande expresse de maintenir le calme, de ne pas se laisser aller à toutes ces provocations. C'est le rôle aussi des services de sécurité de faire leur travail. C'est le rôle de toutes les forces politiques de condamner, mais de la façon la plus formelle, cet assassinat. C'est littéralement d'appeler toute la Tunisie à se mobiliser pour que ces crimes ne se reproduisent pas. Pour ce qui est de l'Europe, je le répète encore une fois, nous avons besoin de la compréhension de l'Europe. Nous ne voulons pas que des événements aussi malheureux que celui de ce matin cache la réalité complexe d'un pays qui avance, qui tourne, qui marche, qui avance progressivement. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Donc il ne faut pas aussi qu'on donne l'impression d'un pays qui est à feu et à sang. Ce sont des événements qui arrivent malheureusement dans tous les pays du monde. Et que dire d'un pays en transition et qui, depuis deux années, a quand même réussi à minimiser le coût en termes de violence? C'est le premier événement de ce type depuis deux années et j'espère qu'il sera le dernier. Pour ce qui est du reste, nous espérons que l'Europe va nous accompagner à la fois politiquement, à la fois économiquement, à la fois aussi par son expérience. Tout à l'heure, j'étais avec le conseil régional de l'Alsace.
en disant que la Tunisie va probablement se régionaliser pour donner plus d'assises à la démocratie locale et que nous allons avoir besoin de la grande expérience de l'Europe. J'ai parlé aussi de la dette. J'ai dit que je suis reconnaissant à l'Allemagne d'avoir reconverti une partie de notre dette. Et j'espère bien que la France en fera pareil. J'espère bien que d'autres pays européens aussi nous aideront à transformer cette dette dont une partie est peut-être a pu être aussi une dette odieuse, donc de nous aider à transformer cette dette en projet de développement économique. Voilà ce que nous attendons de l'Europe, et c'est certainement le meilleur investissement que l'Europe peut faire dans la rive sud de la Méditerranée, parce qu'il est clair et net que si le mouvement démocratique échoue dans la rive sud de la Méditerranée, cela aura un impact très grave sur la sécurité de l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est une question, je dirais, presque de politique interne et pas de politique internationale. Au-delà de ce que le président Marzouki vient de mentionner, il y a quatre nécessités à l'immédiate de l'Union européenne. Tout d'abord, chaque euro de la famille Ben Ali, du camarade Ben Ali, comme disait un de vos collègues, qui appartient au peuple tunisien, doit être retransféré dans le pays immédiatement. Parce que ça soulage déjà un peu dans le pays. Et si l'argent se ne trouve pas dans un pays qui est État membre de l'Union européenne, mais néanmoins un État européen, il faut le quand même retransférer. Deux, je suis allemand. Et l'histoire de l'Allemagne de l'après-guerre nous enseigne, si la démocratie est liée à succès économique et espoir, la démocratie a un succès parce qu'il est lié par les gens avec le sentiment que c'est une amélioration de la vie de tous les jours. Mais si la démocratie et en permanence sous la pression que les conditions de la vie, les conditions économiques ne s'améliorent pas, au contraire, que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Les gens qui n'ont pas le temps du matin jusqu'au soir de réfléchir sur des questions de la structure de l'État, qui doivent lutter pour survivre avec leur famille chaque jour, courent, c'est une expérience historique derrière chaque radical. Donc, stabiliser la démocratie, ça veut dire aider économiquement par restructuration des dettes, par exemple, ou d'autres moyens. Trois, donc, l'investissement de l'Union européenne dans les pays en respectant qu'il faut qu'on fasse attention avec les termes printemps arabe. Les pays ne sont pas tout pareils. Chaque pays a des conditions très différentes et il faut qu'on aide dans les circonstances très spécifique de chaque pays. Peut-être les besoins de la Libye sont différents de ceux en Tunisie. Ça veut dire développer une stratégie qui est précisément une stratégie dans le contexte de pays respectifs. En Tunisie, c'est l'intérieur du pays qui a besoin d'un soutien, un boost, comme on dit en anglais, économique. Donc, privilégier ces entreprises de l'Europe qui investissent là-bas avec un soutien direct, un privilège des taxes, etc. La création d'une zone d'échange économique dans la Méditerranée aide les pays en crise dans le sud de l'Union européenne. L'Italie, la Grèce, l'Espagne sont les partenaires logiques du nord de l'Afrique. Donc, comme président de l'Assemblée parlementaire de l'Union européenne, pour la Méditerranée, je sollicite depuis des mois les gouvernements européens de s'engager plus parce que la stabilité de la région est la stabilité de l'Europe. Investir dans la région, c'est investir dans la stabilité européenne. Et il faut que l'Europe fasse attention de ne pas rater un moment historique. Donc, on a besoin d'un plan économique plus structuré que c'est le cas actuellement. Je trouve que l'Union pour la Méditerranée
n'est pas le seul, mais pourrait être, avec son secrétariat général à Barcelone, un instrument pour privilégier ces entreprises européennes qui sont prêtes d'investir dans les pays arabes. Merci, madame. C'est Houda Warheni de la télévision tunisienne. Je vais poser la question en arabe à M. Marzouki. أكدت أنه اغتيال شكري بالعيد هو تهديد مرفوض لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا كيف يمكن أن يؤثر هذا على الوضع السياسي الصعب في تونس أساسا وعلى مسار الثورة ألا يمكن أن يؤدي إلى العنف أكثر في تونس يعني أنا أردد من جديد أن هناك محاولة لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد بدأت بحرق يعني حرق الزوايا وتتواصل اليوم بإدخال الاغتيال السياسي إلى تونس ويمكن أيضا أن لا قدر الله أن هؤلاء الناس يطلعوا بأشياء أخرى يريدون تهديد المسار الديمقراطي يجب أن تكون هناك وقفة حازمة أولا من قوى الأمن لإيقاف هذا التهديد الخطير وأيضا يجب وقفة سياسية حازمة من كل الأطراف السياسية لكن الشعب التونسي يجب أن يكون واثقا أنه لا يخشى شيئا لأن هذه يعني محاولات لن تثنينا عزمنا احنا ماشيين في طريق هذا الطريق لن نتراجع عنه وسنصل بحول الله رغم كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب. I have a question from New Europe. Mr. President, are you afraid of any threats on the for oil installations south of the country and do you see this as a new trend, you know, in Syria and Algeria of trying to undermine the economic stability of the country? Un pays qui a l'air de vouloir s'en tirer, de réussir une transition réussie. Et je pense qu'il y a des forces politiques à l'intérieur de la Tunisie qui ne veulent pas de cette transition. N'oubliez pas que lorsqu'on fait une révolution, il y a toute la contre-révolution se met immédiatement en place parce que ceux qui perdent le pouvoir, ce n'est pas uniquement Ben Ali et sa famille, ce sont des centaines de milliers de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'intérêt et qui se voient menacés par cette révolution et qui veulent la faire capoter. Mais encore une fois... Une fois que l'histoire a pris une direction, elle ne revient pas en arrière. Pour revenir à l'attentat de M. Belaïd, apparemment sa famille parle d'Ennahda, enfin qu'Ennahda serait derrière cet attentat. Vous gouvernez avec ce parti, quelle est votre réaction? Mais attendez, je pense que c'est quand même un peu exagéré de commencer à lancer des accusations de ce type. C'est absurde. Moi, j'ai condamné la violence de quelque côté qu'elle vienne et je condamnerai la violence de quelque côté qu'elle vienne. Et je ne peux pas accepter non plus qu'on commence à lancer des accusations de ce type. Il faut attendre. C'est une affaire qui sera probablement difficile à diligenter. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que justement l'objectif de ceux qui ont commis ce crime odieux, c'est de faire que les Tunisiens se sautent au cou les uns les autres, qu'ils commencent à se jeter les uns aux autres. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à réaliser une partie de leurs objectifs. C'est pour ça qu'il faut que j'appelle les Tunisiens à bien se rendre compte du danger de se lancer dans ce genre d'accusations. Je voulais vous demander aux deux présidents une question. Excusez-moi ma voix, je ne l'ai pas perdue après vous avoir entendu parce que votre discours était magnifique. Mais je voulais vous demander quelle est l'analyse que vous faites de l'évolution de la situation en Égypte. Mais écoutez, moi tout ce que je souhaite à nos frères égyptiens, c'est qu'ils trouvent très rapidement un terrain d'entente entre le gouvernement et l'opposition parce qu'il est clair que cette confrontation... Et surtout, le refus de dialogue ne peut mener l'Égypte que vers de plus en plus grandes difficultés. Nous avons essayé en Tunisie, justement, de faire en sorte que le pays soit gouverné par une coalition pour éviter, justement, ce genre d'affrontement. Je souhaite à mes frères égyptiens qu'ils trouvent, eux aussi, très rapidement un terrain d'entente pour éviter que le pays bascule dans le chaos. Thank you very much for your interest.